Bonjour, c'est Ken. Je continue ma série de vidéos sur chaque groupe musculaire. Donc, j'ai fait dernièrement une séance complète sur les cuisses, séance complète sur les épaules, sur le dos, sur les pecs. Et là, je vais faire vraiment sur les biceps. Donc, quand je fais ces séances-là, c'est pour vous faire apprécier les élastiques, pour vous rendre compte un peu de ce qu'on peut faire avec les élastiques, qu'on peut augmenter l'intensité, qu'on peut vraiment se cramer, qu'on peut chercher à cibler. L'avantage des élastiques, j'en parle beaucoup dans la séance pec, j'en ai pas beaucoup parlé avec dos, c'est que l'avantage des élastiques, contrairement aux haltères, c'est qu'il n'y a pas ces notions de charge qu'on va chercher à mettre, donc notre ego qui va prendre le dessus et mettre de plus en plus lourd, parce que là, on va avoir plutôt une notion de sensation musculaire. Chaque marque est différente, hein. Moi j'ai des élastiques quand même, ma tension la plus dure a fait 22 kg, j'ai eu d'autres marques avec 18 kg qui étaient aussi dures que mon 22 kg. Donc les marques ne représentent pas tout à fait la même distance. Donc c'est plutôt un avantage, ça veut dire que j'ai pas besoin de savoir combien je mets en charge, mais plutôt à me concentrer sur l'intensité que je mets, sur ce que je vais travailler. Donc là, ici, par exemple pour les pecs, il y a des mouvements très durs, comme debout, très dur à bien cibler les pecs. Ça demande plus de concentration pour bien réussir à faire le mouvement pour cibler les pecs, et avec en plus l'avantage de toujours travailler cette position d'appui sur les jambes et gainage. C'est ça que j'aime bien avec les assis, c'est qu'il y a plusieurs choses qui travaillent en même temps. On va travailler en plus vraiment de façon fonctionnelle. On va être fort sur les pecs, puissant sur les pecs et les triceps, en même temps fort debout, en sachant se s'installer debout. Pour les pecs, c'était ça par exemple. Là ici, on va faire que les biceps. Donc là, ici, on va faire que les biceps. On va chercher à vraiment cramer les biceps avec trois exercices, avec un temps de pause assez court. Alors d'habitude, je mettais une minute de pause. Les biceps, c'est un petit groupe musculaire, je vais mettre un petit peu moins. Je vais mettre 40-50 secondes de pause, c'est tout, pour repartir sur les biceps, donc c'est très rapide. Les biceps, c'est un petit groupe musculaire, donc voilà, je vais intensifier un peu plus comme ça. L'idée, le top ici, ça serait plutôt faire en. Soit je vous ai dit, soit j'ai déjà dit dans les deux vidéos, soit en full body, soit en half body. Sauf full body, il faut l'adapter dans nos séries. Sinon, en half body, vous gardez tout comme ça, vous additionnez l'exercice. En half body, ça fait par exemple jambes, épaules. Par exemple, le lundi, jambes, épaules. Le mardi, pec, dos, biceps, triceps. Mais plutôt dos, pec, biceps, triceps. D'accord? Comme ça, ça permet de récupérer un peu les biceps après le dos. Quand on fait le dos, les biceps travaillent. Dos, pec, biceps, triceps. C'est plus logique. Le mercredi, le repos, c'est la séance abdos gainage. Et on part lundi, jambes, épaules. Et vendredi, dos, pec, biceps, triceps. Par exemple, ok? Ça, c'est vraiment le top. La séance, vous allez voir, c'est pas très long. Quand on additionne tout, ça va faire une heure à peu près. Et c'est hyper efficace, hyper intense. Ok? Donc, on est parti. Donc on va s'échauffer tranquillement. Alors si vous avez déjà fait la séance d'OPEC, vous êtes déjà échauffé, donc vous pouvez passer à l'élastique intermédiaire. Sinon, si vous commencez, on va commencer ensemble avec l'élastique léger. Ici, on va venir les pieds sur les élastiques. Donc là, c'est un semi-léger, d'accord? Je n'ai pas pris plus léger, parce qu'il n'y aura aucune résistance. Semi-léger, l'idée, c'est pas du tout fatiguer musculairement, il n'y a pas d'effort musculaire, c'est juste commencer à activer le système nerveux pour qu'il se concentre un petit peu sur les biceps, d'accord? Pas de fatigue. Donc les jambes ici, largeur bassin, les bras ouverts, les coudes près des côtes. Je vais chercher à amener, tirer les poignets vers le haut, je vais mettre profil, qu'il y ait une tension constante sur les biceps, c'est-à-dire ici, si je mets les coudes alignés avec les élastiques, il n'y a plus de tension sur les biceps, là il n'y a plus rien qui se passe. Donc ici, vous voyez, l'élastique est loin de mon avant-bras, donc là les biceps sont obligés de contracter tout le temps. Donc je descends, je remonte. Pas plus que ça. Ici, il n'y a plus rien qui se passe. D'accord? Pas grand chose en fait. D'accord? Ici, là. Ok? On essaie ensemble, avec l'élastique léger. On ne se crame pas, on cherche juste à vraiment sentir les pecs. On est très détendu. On se concentre sur les biceps. On essaie de contracter aussi volontairement les biceps, les sentir. Donc c'est parti ici. Ok? Là, on va chercher à travailler l'ensemble du biceps. Hein. Ok? D'accord, 3-4 répétitions. Ok, là maintenant on va chercher à travailler la partie des avant-bras ici, long supinateur, qui va chercher à venir jusqu'au biceps, et la portion longue du biceps ici. D'accord? Donc je vais tourner ici, je prends mes mains comme ça, prise marteau, et je vais monter ici. D'accord? Pareil, je suis assez éloigné des élastiques, pas plus que ça, les coudes toujours près des côtes, pas là, ici. Je descends, je monte. Ouais, je vais légèrement les mains vers l'intérieur comme si je voulais mettre en haut des pecs ici. Ok? Ici. Là, c'est vraiment pour travailler la partie haute des avant-bras ici et la partie longue du biceps. Ok? Une partie pour 3-4 reps. Ok? Il n'y a pas de fatigue musculaire, vous pouvez sentir que ça chauffe un peu musculairement, mais on est très 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 loin de l'effort musculaire hein, dans l'échauffement.
Là, ici, comme ça, en même temps, je vous montre les trois exercices. Ici, on va travailler le pic du biceps et la portion ici. Alors, on était sur la portion basse du biceps tout à l'heure, la portion longue ici. Et là, on va partir sur la portion haute et le pic du biceps. Ici, là, les coudes, comme s'ils étaient posés sur un support, ils sont stables, les coudes ne bougent plus. Je vais chercher à amener les mains au niveau des oreilles. D'accord ? Je reviens, j'amène les mains au niveau des oreilles. Donc, c'est les mains qui vont aux oreilles et pas les oreilles qui vont aux mains. Hein. D'accord ? Ici, là, je contracte, je reviens. Donc, les jambes fléchies et stables. Comme je vous disais tout à l'heure, parce que je viens avec les élastiques, il y a souvent plein de choses qui travaillent en même temps. Tout à l'heure, on a fait deux exercices vraiment ciblés biceps. Là, on va être ciblé biceps, mais avec une petite travail de gainage pour stabiliser le mouvement. Si je ne suis pas stable, quand l'élastique serait plus fort, bah, je vais partir en avant. D'accord ? C'est vraiment l'avantage premier des élastiques, c'est qu'il y a le gainage qui travaille tout le temps. Ici, donc là, ici. Ok, on est parti pour 5-6 répétitions. On tracte bien les biceps, les pouces bien vers l'extérieur, toujours. Voilà. Ok, on va enlever ça. Et je vais rajouter de la tension. D'accord ? Je vais rajouter un peu de tension. Donc là, j'ai pris un mi-dur. J'ai pas pris le plus dur, j'ai pris un semi-dur pour vraiment augmenter la tension. On va repartir sur le même exercice. Cette fois-ci, je vais mettre qu'un pied dedans, pas que ce soit trop dur. Un pied dedans, et je repars. Ici, parce que tout de suite, ça va être beaucoup plus dur. Un pied, d'accord. On essaie d'en faire 10. 5, 6. Tu vas commencer dur, mais c'est vraiment pas être en gros effort. 7, 8, 9, 10. Là, vous voulez sentir que musculairement, voilà, vous demandez à votre cerveau d'aller chercher plus loin. Il y a un effort. On va changer la prise de main, prise de marteau. Donc l'élastique va être plus court, je prends plus bas, donc l'élastique plus court va être plus dur aussi. Ici, et je vais chercher vers l'intérieur ici. Ok ? Et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Là, je prends mon élastique plus dur. Celui-là, j'aurai beaucoup moins de force pour celui-là. Ok. Donc, je prends le plus dur. Comme ça, je pourrais régler facilement. Je prends un dur, en fait. Vous gérez vous-même l'élastique. Moi, je dis par rapport à la marche en plus dur. Parce que là, j'ai mis un moyen dur et un moyen faible, ça rend la tension un peu plus forte que celui-là. Ici, en termes de résistance, si je vous parle en termes de résistance, celui-là, il représente 50 lbs en anglais, 50 lbs. Et celui-ci, on est à 30 plus 40, on est à 70. Donc là, j'ai 70 lbs, donc ça en anglais, et là, 50. Donc là, j'ai un peu plus léger, parce que celui-là va être plus dur. Donc, pousse de main vers moi, ici, hop, et je suis reparti ici, aux oreilles, je reviens, et on est parti pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc là j'ai de la marge, je pourrais reculer un petit peu pour augmenter l'intensité. Ok, donc là, on va faire plus dur. On va faire juste 5-6 reps par exercice. Cette fois-ci, je vais mettre les deux pieds dedans. Il faut que ce soit dur, ok, qu'on puisse pouvoir faire 10. Il faut juste au milieu, voilà, les deux pieds dedans. Et on va être parti pour juste 5-6 reps, c'est tout, juste pour voir si on a la bonne résistance. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on prise marteau. Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Là, je vais prendre mon élastique le plus léger. Je vais rajouter un petit peu de tension. Hop. Ici, on est parti. On recule un peu. Hop. Parti. Pour 5-6. 1, 2, 3, 4, les pouces bien vers l'extérieur, concentrez-vous bien sur les biceps, 5 et 6, ok, on relâche. Donc ici, pas juste, encore une fois, je vous répète, essayez pas juste de faire le mouvement, ne cherchez pas juste à tirer ici ou là, ici, tirer c'est dommage,
cherchez à chaque fois que vous tirez, contracter volontairement le biceps. Surtout celui-ci vers le haut, cherchez à vraiment augmenter le pic du biceps en contractant volontairement. On va voir un coup et on va attaquer la séance qui va être rapide, vous allez voir, le biceps ça va choper. Donc là je vais rajouter la tension pour les biceps, que mes 6 reps étaient durs, mais pas, voilà, c'est pas la bonne tension, je pense que je peux mettre bien plus dur. Je rajoute. Par contre, il y a peu de chances que je fasse les 4 séries avec mes 3 élastiques. Il y a peu de chances. Ou alors j'enlèverai un pied. D'accord ? Ça qui est bien, là je vais commencer avec les 2 pieds. Dès le deuxième tour, troisième tour, je vais enlever un pied. C'est pas grave. L'idée c'est de commencer le plus dur possible. Et on essaie de faire les 4 séries, il faut qu'elles soient dures. Il n'y a que 4 séries, donc il faut que ce soit dur. Si votre série dure, c'est que la 4e, ça ne sert pas à grand chose, d'accord ? Il faut vraiment que ce soit dur dès le début. On est parti, vous êtes prêts ? On y va. Le cœur du biceps. Donc, on pense toujours, avant qu'on signe, on pense toujours à son dos et à son gainage. C'est-à-dire, quand je fais ici les pieds ici, j'évite de faire ça. Je ne casse pas mon dos. Je force mon gainage, les jambes toujours fléchies. Tout l'exercice, on fléchit un peu les jambes pour libérer le bassin. J'ai entendu, le bassin est bloqué, on peut s'en mettre. Donc, les jambes toujours légèrement fléchies. Et on se concentre sur le biceps, le ventre est gainé. Donc, gainé, c'est-à-dire bien rentré, on serre bien le ventre pour protéger sa posture. Les pieds, un élastique. Ok, on est prêt, donc les épaules peuvent s'enrouler un petit peu vers l'avant, n'étaient pas forcément vers l'arrière. Les épaules un petit peu enroulées vers l'avant, on va augmenter un peu plus la contraction sur les biceps. Par contre, les dos ne s'enroulent pas. Ici, je rentre le ventre, je m'agrandis bien et je suis parti pour 10. 1, voilà, dès la première, ça va être dur. 2, 3, 4, 5. Contactez bien en haut du mouvement. 6, 7, 8. 9, 10, ok, coup de marteau, hop, on est reparti, 1, 2, 3, 4, 5, pour serrer les pieds, c'est trop dur, 6, 7, 8, 9, 10, on est un peu dur, hop, ici, éloigne, parti pour 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, je vous mets 40 secondes de pause, on va repartir, 40 secondes ça va vite, ça va être très dur, vous voyez le premier exercice sur le biceps, j'étais bien jambes écartées, puis je marteau petit à petit, j'ai resserré mes pieds, quitte même, je ne l'ai pas fait, mais peut-être le deuxième tour je vais faire, enlever un pied, je commence en dur et je diminue petit à petit. Chose que vous ne pouvez pas faire avec halter au cours de la série, compliqué. Là on peut aller en dégressif au cours de la série. On va aller plus loin sur l'intensité. 15 secondes. Donc 4 séries comme ça. 10 secondes. On prend l'élastique. 3, 2, 1. Ok, c'est parti pour 10 reps. 1, 2, 3, on bâcle pas le mouvement. 4, 5, 6, rentrez bien le ventre, protégez le dos. 7, 8, 9, 10. Prise marteau, j'enlève un pied. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est trop dur le coup de marteau. On a mal. Parti ici. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ok. On est parti pour 40 secondes. Là, je vais enlever une tension légère, le plus léger que j'ai, parce que le coup de marteau, je n'y arrive pas du tout là, j'ai trop de mal. Donc, je ne suis pas bon dans le mouvement. Donc, j'enlève ça. Ce sera suffisant pour une série. Voilà, mes bras sont déjà en compote. C'est pareil pour vous, normalement, les bras, c'est facile à cibler.
On va faire ce qu'on peut sans dénaturer la posture. Encore une fois, on se concentre bien sur ce qu'on cherche à cibler. En 8 secondes, on part pour la troisième série. En 5, 3, et un tel pied, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je prends ce marteau, je resserre les pieds, je fléchis les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est parti. On peut mettre une jambe devant aussi, une jambe derrière. Hein. Je vous montre juste pour une variante. 1, 2, c'est pareil. 3, ça demande un peu moins de concentration. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière série, 40 secondes. Le pire, c'est la prise marteau, vu qu'on prend plus court aussi. Donc dur, un peu dur, les envois et tout. C'est dur. Bon, vous voyez, les biceps, ça crame très vite, on est vite saturé. Par contre, je mets 40 secondes parce qu'on récupère très très vite. C'est beaucoup moins intense que les groupes musculaires, au point de vue cardio. Hein, on est beaucoup moins cramé, hein. C'est juste que les bras ils sont cramés. Là, du corps, ça va. 8 secondes, la dernière série. On s'installe. 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, prise de marteau. Hop. Allez, 1, 2, plus ses jambes. 3, plus ça plus facile. 4, plus ses jambes, plus c'est facile. 5, 6, 7, 8, et encore 2, 9, 10. Et la dernière. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière. 10. Voilà, la séance finie. Allez, les bras bien cramés. C'est agréable hein, d'avoir les bras cramés comme ça, bien gonflés, toujours agréable. Donc voilà, c'est terminé. Donc là, pour s'étirer, un truc assez simple, vous étirez vite fait les biceps. Encore une fois, on fait très rapide. Je vais me mettre ici à genoux, je vais mettre les doigts ici, poser donc les doigts des mains vers mes genoux. Ici, j'avance un petit peu, les paumes de main au sol, et je recule doucement. Donc là, je vais étirer les poignets et les biceps. Tous les biceps s'étirent et je relâche. Okay, vous pouvez le faire debout aussi, comme ça on prend les doigts et on tend ici. Okay, ici ça va s'étirer. Donc l'étirement doit être très court, vous voyez, je prends 4-5 secondes ici, ici, j'étire, voilà, tranquillement. 4-5 secondes, ne faites pas plus, c'est dangereux. On peut monter 6-7 secondes, moi je fais 4-5 secondes, c'est bien, c'est juste pour retrouver la longueur au muscle. Voilà, la séance biceps est terminée. Donc ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera triceps. Donc, c'est très bien d'additionner les deux, hein, biceps, triceps, vraiment, il faut les additionner. Voilà, donc la prochaine vidéo, triceps. Comme ça, vous aurez votre séance all-body complète haut du corps, dos, pec, biceps, triceps. Ou vous pouvez avancer comme vous voulez les séances. Je refais un point dessus, soit après la séance abdo-gainage, comment construire votre séance avec tout ça. Je refais un point dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo pour la séance triceps. Ciao.